Avec ce vin que je vais, on va déposer dans le calice sur l'autel de l'église. Ce soir, je célébrerai le Eucharistie, comme tous les prêtres dans toutes les églises. Parce que ce vin est essentiel, Jésus l'a utilisé non pas simplement comme instrument, mais comme sa présence au milieu des hommes. Nous ne sommes pas du côté de Bacchus, où l'on se réjouit jusqu'à plus soif. Nous sommes du côté de l'amour véritable, où le sang est versé parce que la vie de Dieu nous est donnée. Et bien cela, nous allons l'accueillir maintenant. Avec Monsieur le Président, le Prosper Montagnier, les maîtres des confréries, et puis nous tous ici présents, Monsieur le Président, le grand maître des confréries, je vous invite à vous avancer pour cette bénédiction. Seigneur, Dieu de l'univers, tu es béni. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Ton Fils Jésus, notre Seigneur, a fait de ce vin la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Bénis ce vin que nous allons boire en l'honneur de Saint Vincent, le patron des vignerons. Qu'il réjouisse les cœurs et renforce les liens de nos communautés par Jésus le vivant, dans les siècles des siècles. Ce vin de la Saint-Vincent que nous allons goûter avant que tout à l'heure dans l'Eucharistie ne devienne le sang du Christ, nous le recevons comme un cadeau venu de Dieu, fruit de la terre et du travail des hommes. Comme Jésus nous a demandé de le faire, selon son commandement, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. »